Salut à tous et salut à toutes, c'est Xana. Aujourd'hui, petite vidéo pour répondre à la question de certains qui me disaient: oui, mais en fait, les pages sont chargées en local, donc c'est pour ça qu'elles ne sont pas affichées. Pourtant, j'ai l'actualité sur mon propre compte. Voilà, vous voyez, tableau de bord, hop, ça m'affiche exactement mon compte sur le véhicule. Alors, la page est très très lente parce que c'est Internet. Mais vous voyez, j'ai accès à tout ce que je veux sur le véhicule. Voilà. Garantie, tout. Hop. Donc ce n'est pas du local à première vue, puisque je peux faire ça. Est-ce que je peux ajouter un véhicule? Voilà, ajouter un conducteur, pourquoi pas. Voilà, sur mon véhicule. Alors, YOLO. YOLO. Email. Tac. Alors, ça paraît pas. Mince. Par contre, voilà. Tac, tac, tac. Hop là. Voilà, conducteur ajouté. Donc, malgré le fait que ce soit très très lent, vous voyez, je suis pourtant connecté. Alors que si je veux aller comme sur autre chose, donc ça concerne bien que Tesla, si je vais sur Google, encore une fois, il va me forcer à me dire, voilà. Donc voilà, ce n'est pas une limite Internet, c'est tout simplement que Tesla a tout simplement désactivé la fonctionnalité, sauf pour le site Tesla. Donc ce n'est pas un affichage en local. J'ai réussi à accéder au site, j'ai réussi à me connecter avec mes identifiants, accéder à mon contenu et justement les dernières supercharges que j'ai fait. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura répondu à vos questions.